Bonjour à tous. Donc maintenant que j'ai placé ma scie sous table sur ma servante sur roulette pivotante à frein, qui se trouve là, je récupère cet objet qui était le support de ma scie sous table. C'est une espèce de diable avec des jambes. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc il y a deux roues. C'était pratique pour utiliser la scie pour la déplacer, mais maintenant qu'elle est sur table, à roulette, c'est beaucoup mieux. C'est beau que j'ai beaucoup plus de place pour travailler. Donc, je récupère cette pièce et j'avais l'idée de placer dessus la raboteuse qui, elle, pèse très 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 lourd. Donc, je sais encore la soulever, mais c'est fatigant. C'est lourd et donc finalement, parfois ça me dissuade de l'utiliser pour une petite pièce. On va la sortir, monter sur la table, travailler par terre. Donc la vidéo où je vous parle maintenant, c'est déjà fait. La raboteuse est placée sur le support. Et donc cette vidéo va parler de ça, de tout simple. Hein. Adapter la raboteuse, qu'elle n'est pas prévue à la base pour venir sur ce. Même si c'est la même marque, ça n'est pas venu. Ça n'est pas prêt pour venir dessus. Le trou de boulon ne coïncide pas avec les deux pattes qui servent à pouvoir la placer dessus et même pouvoir l'enlever si on veut vraiment la placer ailleurs sans le diable. Enfin bon, vous verrez sur la vidéo, là je vais pas d'autre. On y va!
place, on n'a pas de place. Un jour, j'aurai de la place.